Salut, salut, chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. J'espère que vous allez tous bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler du projet Cordao. Oui, du projet Cordao. Nous allons parler aussi du Bitcoin. Nous allons parler de Binance. Nous allons parler de la restriction de certains pays qui ne pourront plus utiliser le ChatGPT. Oui, la liste de ces pays-là. Oui. Bon, vous allez comprendre un peu si vous restez dans cette vidéo pour mieux comprendre. Alors, je tiens à remercier tous les abonnés de cette chaîne et surtout un commentaire m'a marqué aujourd'hui. Oui, un commentaire m'a marqué, ce n'est pas le premier commentaire, mais bon, vous allez voir un peu le commentaire là. C'est ce qui pousse par moment à faire mieux. D'abord, regardez ce commentaire de notre monsieur Diallo. Oui, Diallo Amadou. Oui, il dit franchement, bravo. Tout le monde a pratiquement disparu de la crypto-monnaie, y compris lui-même. Là, ça se comprend, mon frère. Ne t'inquiète pas. Et il dit franchement bravo d'être l'un des rares, des très rares youtubeurs actifs. Et effectivement, les gars, la plupart des influenceurs crypto-monnaie, soit ils sont découragés, soit ils sont déçus. Et bon, ils ne continuent plus, ils se disent, c'est bon, je suis fatigué, il n'y a plus rien, voilà. Mais nous, ici, nous sommes toujours là pour vous informer. Alors, valorisez le travail que nous sommes en train de faire, les gars. C'est vrai, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de se lever, de faire quatre vidéos. La dernière fois, on a fait quatre vidéos dans la journée. Ce n'est pas chose facile. Alors, valorisez, hein, le travail que nous sommes en train de faire ici, simplement en nous aidant à faire quoi? En partageant d'abord nos vidéos. C'est très important. En aimant nos vidéos. Et il y a plus de 25% des personnes qui regardent ces chaînes qui ne sont pas encore des abonnés. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Alors, on va parler rapidement du Bitcoin. Merci mon frère Diallo pour ce commentaire. Non, c'est ce qui nous encourage parce qu'on voit qu'il n'y a plus beaucoup d'influenceurs qui font des vidéos comme ils le faisaient d'habitude. Nous, on va garder ce rythme-là jusqu'à ce que on soit fatigué. De toute façon, on est toujours là. Donc, comptez sur nous pour vous apporter les informations en temps réel dans l'écosystème de la crypto-monnaie, de la blockchain, si vous voulez les avoir. C'est sur ces chaînes. Le journal des cryptos, c'est ici. Alors, aujourd'hui, on nous dit simplement que le Bitcoin est à 25, à 28 000, 40 dollars. Oui, 28 000, 40 dollars. Tantôt, nous voyons que le Bitcoin ne veut pas sortir de l'impasse de 28 000. Ou ne veut pas revenir en dessous de 27 000. Mais que se passe-t-il concrètement? Que se passe-t-il? C'est ce que cette information est en train de nous dire. Quand j'ai vu ça, ça m'a fait rire. Et on dit, Bitcoin está preso em 28 000 dollars. Et précise à Caillou pour subir 10 analystes. On dit simplement que le Bitcoin est resté prisonnier. Oh, le Bitcoin. On va te libérer bientôt. Le Bitcoin est resté prisonnier avec 8 000 dollars. Et elle a besoin de tomber pour remonter 10, disent les analyses. Donc, les spécialistes sont en train de voir que le Bitcoin doit encore chuter un tout petit peu. Oui, après, elle va remonter. Bon, on peut être surpris. Comme vous le savez, nous sommes dans un écosystème où l'impossible peut devenir le possible et le possible à l'impossible. Donc, tout est possible. Et le Bitcoin peut nous dire qu'elle est en prison en ce moment, mais elle n'est pas réellement en prison parce que le juge d'instruction n'a pas encore donné l'ordre qu'on le défère dans une prison. Elle est juste en garde à vue. Elle peut ressortir et repartir. Les gars, il faut rire un peu. Hein? Il faut détendre un peu l'atmosphère. Alors, donc, la surprise peut être agréable. Non, mais les spécialistes disent qu'il faut que le Bitcoin chute, qu'elle est restée prisonnière. Effectivement, vous allez voir depuis un temps, ceux qui suivent, ceux qui sont des fidèles abonnés, le Bitcoin est dans l'impasse de 27 800, 27 900 et 28 000 dollars, 28 200, 28 300 maximum. Donc, ça ne sort pas de cet intervalle-là. Vous voyez, donc, effectivement, le Bitcoin est en garde à vue. Le Bitcoin est en garde à vue. Il est en garde à vue. Bon, pour le moment, le procureur ne l'a pas encore déféré. Quand on va le déférer, on vous informera qu'il a été déféré et il est parti en dessous où elle va monter, voilà, elle va sortir. Alors, si vous n'êtes pas encore un fidèle abonné de notre compte Twitter, je vous prierai de vous abonner. Le compte, c'est cliquer pour gagner. Le pseudo, c'est cliquer G. Cliquer R à la fin, d'accord? Alors, un compte vérifié, bien sûr. Nous, ce matin, on dit ceci. L'adoption est en marche. Les gars, les crypto-monnaies sont venues pour rester. Il n'y a rien à faire. Non, Adama, mon frère, tu peux me regarder. Joe, c'est venu pour rester. Il n'y a rien à faire. On dit l'adoption en marche. La politique s'imprègne de la blockchain. Vous savez, aujourd'hui, les politiciens ont compris que
pour avoir la jeunesse, surtout cette nouvelle génération, pour convaincre ces générations, il faut accepter l'adoption de la blockchain. Même s'ils ne vont pas accepter les crypto-monnaies, ils doivent accepter la blockchain. Les gars, vous allez voir que c'est un peu pas trop clair. C'est comme si quelqu'un qui dit j'aime les enfants, j'aime trop les enfants, mais il aime aussi à volter. C'est-à-dire qu'il n'aime pas les enfants qui sont dans le ventre de la maman. Mais comment? Ça n'a pas de sens. Si tu n'aimes pas d'abord ce qui fait et que l'enfant sort là, comment tu peux aimer les enfants? Non, ça n'a pas de sens. Donc, arrêtons de se tromper. C'est-à-dire qu'il y a des gens, on dit, le Paul... non, je fais des conneries. Le Paul Bloomer, les yeux ouverts. Ça me rappelle une histoire de ma vie. C'est-à-dire que le porc, dans l'eau sale, il est là, il se tourne, mais il a toujours les yeux ouverts. Les gens pensent que nous dormons. Les gens veulent nous faire dormir debout. Non, c'est faux. Si la blockchain avance là, les crypto-monnaies avancent avec elle. C'est comme cela, il n'y a rien à faire. Alors, on continue la vidéo lentement et sûrement, comme vous l'aimez si bien. Cette fois-ci, les gars, je vais vous parler de notre compte TikTok. Les gars, est-ce que vous savez que cliquer pour gagner a un compte TikTok? Ou bien vous ne le savez pas encore? Si vous ne le savez pas encore, on vous informe. On vous informe en vous disant que allez sur TikTok, tapez cliquer pour gagner, tout coller. Le plus de cliquer pour gagner. On est en train de faire des séries de vidéos. Les gars, des séries de vidéos. Pour éviter que toi qui regardes là, tu puisses tomber dans l'arnaque. Parce que l'arnaque, ça a gangréné en Afrique, surtout sur le continent africain. Et les gens ne veulent pas sortir de cette arnaque-là. Les gens sont devenus prisonniers de l'arnaque dans laquelle ils se retrouvent. Et c'est souvent difficile. Nous sommes en train de faire des séries de vidéos. Je dis bien, des séries de vidéos. Les vidéos-là sont plus longues ici sur TikTok et elles sont plus courtes ici sur YouTube Party Short. Donc, vous pouvez regarder ça sur Party Short ou sur TikTok. Allez vous abonner sur notre compte TikTok. On est ici, on est 25 000 abonnés. Et sur TikTok, on est seulement que 675. Allez-y vous abonner pour avoir la suite de toutes les vidéos complètes sur TikTok. C'est très important. Alors, je continue la vidéo. On va maintenant parler de cette information. Ah oui! Joe Biden, on nous dit simplement que la banque of America a été convoquée pour, ou bien il y a des suppositions comme quoi elle a financé la famille Biden pendant la campagne ou je ne sais quoi. Vous savez, comme je disais, la politique là, aujourd'hui la politique là, ce n'est pas uniquement avoir des projets de sortir la jeunesse de la galère, mais c'est aussi avoir des projets qui permettront à la jeunesse d'entreprendre, d'accord, de se prendre en charge, parce que le gouvernement ne peut pas engager tout le monde. Alors, la famille Joe Biden, semble-t-il qu'elle a reçu un financement de la Bank of America. Je me rappelle bien qu'on a un membre VIP qui nous avait envoyé une fois, qui se trouve aux États-Unis, bien sûr. Bon, les gars, dans le groupe VIP, là, ce n'est pas uniquement les Africains. On a des Américains, on a des Français, on a des Canadiens, on a des Italiens, on a des, je sais pas même, des Brésiliens. On a plusieurs nationalités dans notre groupe VIP. Si vous pensez que c'est juste pour les Africains, non, tout le monde est là-bas. Alors, et l'Américain nous disait, notre frère, bien sûr, qui est aux États-Unis, nous montrait une vidéo en étant la Bank of America. Je crois bien, Abdoul, je crois bien que c'était Bank of America. Il disait, regardez, voilà, il est venu retirer son argent dans cette banque-là, dans la Bank of America. Et on lui dit qu'il ne peut pas retirer son argent. Mais quand il déposait, il n'y a pas de problème. Mais pour retirer maintenant, il a des problèmes. Vous voyez, non? Et donc, mon frère, il faut comprendre maintenant que c'est parce qu'ils sont partis financer la campagne de Joe Biden. Donc, c'est à cause de manque d'argent pour te payer. Non, c'est juste pour rigoler. Hein? Les gars, vous voyez un peu les banques. Les banques aiment financer les politiciens après pour avoir la couverture qu'elles seront lues. C'est l'intérêt qui guide les gens maintenant. Hein?
Alors, vous avez compris. Alors, on continue lentement et sûrement notre vidéo, comme vous les aimez si tant. Alors, on va faire une pause publicitaire. Une pause publicitaire pour ceux qui veulent faire partie de notre cours. Pour ceux qui veulent venir nous rejoindre dans notre groupe VIP. Je crois que aujourd'hui, samedi, on va faire un chat voice. On va faire un petit chat voice rapide dans le groupe VIP, oui. Pour parler de quoi? De la sécurité. Comment sécuriser les crypto-monnaies? On va aussi parler aussi, mieux encore, on va parler de la situation actuelle du marché et des faits divers. Donc, c'est important. Donc, comme vous le voyez très bien, si vous voulez faire notre cours, il suffit seulement de remplir ce formulaire-là. Vous allez recevoir un email de la part et un message de la sur WhatsApp aussi, par email et par WhatsApp, un message de la part de notre équipe pour payer $80. Les gars, votre, je peux dire en quelque sorte, hein, votre indépendance financière dépend de ça. Dépend de l'investissement que tu feras dans tes formations. Et on te propose une formation à $80. Tu trouves que c'est cher. Mais oh, c'est toi qui as plus de $500. Quand tu vas perdre ces $500 là, tu vas avoir les yeux ouverts. Et tu vas comprendre que c'était mieux de payer $80 pour avoir les bonnes informations, pour être un bon investisseur, au lieu de rester, excusez-moi le terme, pingre. Alors, donc, je continue ma vidéo en disant pour ceux qui veulent se former. Et aussi, on fait l'accompagnement. L'accompagnement dans le groupe VIP. Donc, formez-vous pour avoir la stratégie et tout le reste. Et après, vous ferez partie de notre groupe VIP. Deuxième information, le lien de notre co-fraternisation. Les gars, on va bientôt fermer. Il reste seulement quelques jours. Je crois 12 jours, on va fermer ce lien. La préinscription est gratuite, les gars. Faites votre préinscription et après, vous allez vous décider du 15 au 16 si vous serez présent pour payer les $100. Alors, on continue lentement sûrement notre vidéo. Les gars, le CEO de Binance nous annonce ceci. Il nous dit ceci. Le CEO de Binance dit ceci. Il nous dit simplement, hein. Les gars, si on est en train de nous attaquer, que d'abord la SEC, hein, la SEC australienne, hein, a suspendu les offres des services de dérivés sur la plateforme Binance. Et même, semblerait-il même que le Brésil est en train d'étudier aussi certains services que Binance doit offrir. Et nous sommes en train de voir en résumé ici que Binance est en train d'être attaqué dans tous les sens. Je dis dans tous les sens, pourquoi? Parce que on est en train de voir Binance grandir et ça fait mal. Donc quand ça fait mal, ça n'arrange pas ces personnes-là. Donc vous voyez, donc Binance est en train d'être chicoté dans tous les sens. Et bam, préparons-nous au pire quand le pire peut arriver. Donc l'Australie, les États-Unis, surtout les Américains qui sont en train d'attaquer vraiment Binance et ils demandent à leurs alliés d'attaquer aussi Binance, ce qui est triste. Hein? Bon, de toute façon, on est là. Que vous le voulez ou pas, Binance arrivera là où elle doit arriver. Alors, et cette information, oui les gars, cette information est importante et cruciale. On nous dit simplement, la liste des pays qui sont en train d'interdire le ChatGPT commence par s'agrandir. Nous savons que la Chine a développé son ChatGPT parce que le ChatGPT aujourd'hui est un peu plus bien manipulé. Les gars, attention, c'est les bases de données qui ont été enregistré dans le robot et le robot nous donne ces informations-là. Donc, si tu dis, tu vois quelque chose blanc, tu dis au robot, ça c'est blanc, si on a programmé ce robot-là pour que tu dis que c'est rouge, elle va te travailler pour te faire convaincre que ce blanc que tu vois là est rouge. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça n'arrange pas certaines personnes, certains pays. D'abord, la Chine, ça ne l'arrange pas, ça ne l'a jamais arrangé au début. Et maintenant, nous sommes en train de voir que l'Italie a interdit le ChatGPT. L'Italie a interdit le ChatGPT, d'accord? Et, bon, ça, nous avons compris. Maintenant, semblerait-il que le Canada, l'Allemagne, la France, la Suisse sont en train d'étudier les restrictions pour interdire le programme de l'intelligence artificielle sur leur territoire. Donc, l'Allemagne, la France, la Suisse, le Canada, voilà. Donc, ça veut dire que c'est ces pays-là qui pourront peut-être interdire le ChatGPT sur leur territoire parce qu'elle est en train d'en faire les lois patati, patata, patati, patata, patati. Mission impossible. On dit même dans le monde entier, non, sera possible. Si on interdit, comment appelle-t-on, le chat GPT dans le monde, on existe Hague. Il y a aussi des réseaux VPN que les gens pourront utiliser, mais on ne sait pas si ça pourra permettre d'utiliser le chat GPT. Je ne crois pas trop. Dépendra de la législation, de la loi qui sortira. Alors, maintenant, pour continuer la vidéo, les gars. Si vous n'avez pas encore, on va parler maintenant de Cordao. Si vous n'avez pas encore un compte sur Mexe Global, nous sommes en partenariat ici avec Mexe Global pour donner des avantages à ceux qui créeront leur compte et passeront l'étape du KYC. Et mieux encore, il y aura plus d'avantages pour les gens qui font le trading futur.
il y a une compétition très future et notre nous sommes en train de négocier avec les responsables pour voir s'ils vont laisser une cagnotte pour notre communauté, pour ceux qui sont des traders, bien sûr, ceux qui ont fait le trading futur. Donc, créez votre consommation globale. Les frais de trading sont quasi, presque nuls. Et donc, profitez de cette occasion. Vous créez votre compte avec notre lien et vous aurez la chance de gagner plus d'avantages car nous sommes en train de négocier plus de choses pour vous. Alors, maintenant, venons dans ce corps d'AO, les gars. Les gars, oui. Corps d'AO, les gars, sincèrement, ça me rappelle hein, quand les gens disaient « Non, Aristide, nous sommes en train de miner les corps d'AO. Nous sommes les mineurs de corps d'AO. » Certes, le projet est en train d'avancer. Ce qui est intéressant, le projet n'est pas mort. En crypto-monnaie, il n'y a pas de mort de crypto-monnaie. Quand quelqu'un lance un projet crypto-monnaie, ne dites pas que c'est mort, c'est fini. Dans la mort, il pourrait avoir résurrection. Attention. Donc, on dit que Cordao, et les gens disent que Cordao devait arriver à combien? À 6 550 $, un Cordao. Et les gens, il y avait de l'engouement, les gens étaient impatients. La sortie, non, on va être riche. Les gens même ont déjà fait même des projets d'acheter des maisons, des voitures, même d'acheter même leur propre pays. Il y a des gens même qui étaient prêts à acheter leur propre pays. Et à notre grande surprise, Cordao est sorti. Regardons rapidement le prix de Cordao. Mais il y a des bonnes nouvelles, les gars. Il y a des bonnes nouvelles. Je vais vous montrer juste quelque chose, vous allez comprendre. Cordao. Ah oui. Si cette vidéo-là arrive à avoir, hein, je dis bien, cette vidéo arrive à avoir 150 j'aime, nous allons préparer une autre vidéo sur le projet Pi Network. Est-ce que vous voulez une vidéo sur Pi Network? Si oui, une vidéo d'actualisation. Laissez un commentaire de la vidéo et partagez cette vidéo au maximum pour que cette vidéo puisse arriver à 150 j'aime. 150 j'aime, directement la vidéo de Pinet va sortir pour vous. Alors, le projet Cordao qui devait être à 6 000 $ se retrouve à 2 $ avant 4 $, 3 $, 2 $ et maintenant 1 $. Les gars, regardez juste quelque chose. Ce n'est pas moi qui dis. Je vous explique un peu quelque chose. Le total de Cordao, nous avons vu le total supplé ici. Il y a seulement que 4%, les gars. 4%, je dis bien 4% qui sont en circulation. 4%. Donc, il reste un peu plus de 90% qui doivent être en circulation. Et le projet Cordao est listé sur certains échangeurs et peut-être d'autres listings pourront venir. Si vous voulez acheter Cordao, allez-y ou vendre. Allez-y sur Mexe Global pour profiter des frais d'échange gratuits. C'est très important. Et le projet Cordao est listé sur plusieurs échangeurs. Vous voyez. Mais ce qui m'apporte à faire cette vidéo, c'est cette information. Les gars, l'une de ces informations. Le projet Cordao lance les faussettes. C'est-à-dire qu'une façon de pouvoir gagner des Cordao de façon gratuite. Donc, vous voyez combien de fois l'écosystème de Cordao est en train de s'instaurer, est en train de s'implanter. Et il y a certaines personnes qui espéraient Cordao, mais qui se disent « je suis déçu » parce que je n'ai pas vu Cordao à 6 500 $. Les gars, arrêtez de rêver. Quand je disais cela, les gens pensaient que je rigolais. Je ne rigolais pas. Les gars, il y a une chose que vous devez comprendre. L'expérience fait la différence. Moi qui vous parle, je vous dis, je viens de très loin en crypto-monnaie. Je dis, je viens de très loin. Aujourd'hui là, plusieurs personnes, sans vouloir me vanter, comprennent ou sont sorties des plateformes d'investissement grâce à cette chaîne cliquée pour gagner. Donc, ceux qui sont ingrats vers nous là, ciao. Ceux qui sont reconnaissants là, merci, que Dieu vous bénisse et que continue de vous ouvrir les portes. Aujourd'hui, certaines personnes se disent spécialistes, mais elles ont commencé par sur cette chaîne. Ils ont commencé par apprendre sur ces chaînes. Donc, comme je dis, nous, on vient de très loin. L'expérience dans l'écosystème de la crypto-monnaie, on n'est pas des experts, mais comme je dis, nous sommes des vétérans. Et quand on vous dit quelque chose là, c'est parce qu'on a eu l'expérience de nos erreurs. Et on ne veut pas que vous fassiez ces erreurs-là. L'écosystème de Cordao est en train de se mettre en place. C'est ce que vous êtes en train de voir sur cette image. Et quand cet écosystème se met en place, nous avons, on voit les projets DeFi, des projets GameFi, des wallets qui ont intégré la blockchain de Cordao. Même, il y a même des mêmes coins de Cordao. Il y a même des mêmes coins de Cordao. D'accord? Il y a même des infrastructures, le web propose de l'intelligence artificielle de Cordao, même les boutiques de Cordao. Donc, exemple, on nous dit, il y a un mémé coin qui s'appelle Shiba Core. On va voir rapidement s'il y a vraiment une monnaie qui est déjà listée
Et je crois que c'est Shiba Core ou bien Shiba. Shiba Core. Bon, 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 bon. Ce n'est pas encore listé sur CoinMarketCap. Maintenant, au fait, on voit déjà un peu. Et Shiba Core. On voit. Oh, désolé. On voit déjà un peu au niveau de la. Voilà ici. On voit un peu que, effectivement. Donc, le projet Core est en train de lancer son écosystème. Les gars, ceux qui vous disaient que d'attendre. Que non, le projet Core, ça va venir tuer le Bitcoin. Les gars, c'est pourquoi je vous dis souvent, mettez bas la terre. Mettez bas la terre. On vous dit, il faut vous former. Formez-vous, remplissez ce lien-là, ce premier lien-là. Remplissez ce premier pour vous former. Afin qu'on puisse vous aider à comprendre le mécanisme de cette technologie blockchain. Mais les gens ne veulent pas. Aujourd'hui, nous voyons, les gens, il y a certains qui ont vu clair comme de l'eau de roche. Maintenant, qui sont ceux qui sont. Qui sont ceux qui sont des mineurs de Core aujourd'hui? Le projet même Core même dit qu'elle a fait un airdrop. J'ai fait un airdrop sur Core. Et maintenant, elle a distribué l'airdrop sur Core, dans sa blockchain. Et maintenant, les gens disent qu'ils ont miné sect. Maintenant, là, qui sont ceux qui sont des validateurs dans la vraie blockchain de Core? Dites-le moi. Donc, qu'est-ce que vous avez fait par le passé? Donc, on essaie de vous expliquer ça, mais c'est vous qui disiez non! Toi, tu ne comprends rien. La technologie a avancé. La technologie avance, mais en suivant les principes. Comme on dit souvent, c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Toutes les blockchains, layer 2, layer 3, etc. Là, toutes ces blockchains-là sont basées sur une première blockchain. Donc, ça veut dire, on n'a pas négligé l'ancienne blockchain, les gars. Si vous n'avez pas encore, vous voulez vous former, venez vous former, on va vous expliquer mieux les choses. Et si cette vidéo arrive à 150e, nous ferons une vidéo sur l'actualisation du projet Pi Network. Donc, vous voyez que le projet Core est en train d'avancer. Et le projet Core peut toutefois nous surprendre. Et un jour, pouf, on voit ça sur Binance ou bien. Mais, je dis bien, le projet Core, il y a aussi certaines choses. Ils n'ont qu'à vérifier leur compte. Hein, leur compte Core DAO, c'est le tweet de Core DAO officiel. Hein, ils n'ont qu'à vérifier, ça serait intéressant. Et le nombre de personnes qui suivent Core DAO ne augmente plus tellement comme cela. Hein, donc, les gens ont perdu de l'espoir. Et quand vous lisez même les commentaires sur les tweets de Core DAO, nous remarquons que la plupart, c'est des Africains qui réclament encore les $6,500. Que Core DAO... Quand on va prendre ça où? On vous a donné ça gratuitement, 1$, 4$, vous dit c'est pas bien. On donne quelqu'un quelque chose gratuit, il dit encore c'est pas cher. Ça veut dire quoi? Les gars, apprenez à respecter l'évolution du projet. On se dit à la prochaine vidéo et ciao!